Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Catélima TV. Aujourd'hui, c'est mardi 15 décembre 2020. Là, nous avons une grande ouverture officielle d'Elimat à Tiojo. Nous saluons tout le monde qui branche nous et tout le monde qui peut partager le live. Ça nous permettre que vous vivez comme ça. Et là, nous avons Tiojo, c'est une grande ouverture d'Elimat qui fait aujourd'hui. Merci à vous-même qui êtes sur Catélima TV. Là, nous avons un rôle d'Elimat là et j'en ai regardé là. Mon yo qui est déplacé en foule et qui vient dans d'Elimat qui vient acheter aujourd'hui hein. Et j'en ai regardé là, mon yo déplacé venu d'Elimat qui arrive la caillou. Merci, merci. Bon, écoutez, j'aime ça t'expliquer. Dans la vie, font moun pa jam pa échec. Font moun pa jam pa tomber. Et papa, maman, maman, t'as appris moi. Puis gros bagarre dans la vie, c'est pas pour pas tomber, mais c'est pour toujours camper. Et je pense que 6-7 juillet 2018, nous te prenons un gros saut. Parce que j'aime toujours dire, lorsque saute plus haut, on prend plus gros saut. Mais nous pas jamais, il y a une minute côté de réfléchir pour ne pas recommencer. Et donc fierté nous aujourd'hui à ça que sous trois délimats ont écrasé, ça c'est deuxième nous ouvrir. Et ça, c'est une tout neuf entièrement. Delma 32 derrière. Nous espérons 1er mai 2021 à Bouvril. Et puis après ça, pour nous réfléchir au cap, quoi des bouquets. Delma 30. Donc, les gens qui ont pensé à mettre dans la terre, nous disons merci beaucoup. Parce que ça permet de nous reprendre plus courage, plus force.
Et nous saluons bon Dieu qui toujours accompagne nous. Papa, maman, maman qui est dans le ciel là, qui toujours veille sur moi. Et tout le monde dans la famille, dans les amis, dans les clients de l'IMAT, qui tout le temps écrit nous, qui l'a de l'IMAT à tourner d'Elma. Et employé nous qui étaient fidèles. Pendant que nous fait 2 ans, 5 mois sans travail. Ils sont contents aujourd'hui, il y a 200 là-dedans qui sont contents de reprendre le travail. C'est sa fierté à Yébou. Bon, un petit chiffre quand tu es en voie directe de l'IMAT. Chaque Delimat crée à peu près entre 200 et 250 emplois directs et 2000 emplois indirects. Parce que l'homme dit 2000 emplois indirects là, les gens qui font Kassav ça, lui-même engagé, on 10 ou 15 personnes. Donc imaginons, le Delimat, toi Delimat mourit, nous avons des bœufs qui nous vendent, combien de bœufs chaque semaine? Il est obligé de camper. Nous avons des gens qui font des produits artisanaux, des gens qui ont 18 personnes qui ont travaillé, ils sont réduits à 2. Donc, emploi indirect de l'IMAT dans la production nationale, parce que yon chiffre map banon, 35% sa kvanan dans de l'IMAT, c'est production nationale. Mais nous avons un objectif pour nous accompagner les planteurs, pour nous accompagner les gens qui font élevage, pour nous arriver à 45% de produits qui vont dans de l'IMAT, qui sont produits locaux. Delimat toujours commencé à construire depuis décembre 2018. Mais forme du nous souffrons deux moments difficiles. D'abord, COVID-19 là, qui t'a fait pratiquement obligé de camper travail là pendant 3 mois. Ensuite, pays leur tout pendant 2 mois. Et puis, un pile problème pour importer matériel, parce que un pile équipement, c'est là-bas où ben nous. Et m'a profité pour me dire, les délimat crasés, le gouvernement t'a offert nous pour nous jouer une franchise, pour nous importer. Tout équipement était perdu, nous t'es refusé. Maquette ça seulement dans le building là pour compte. Nous payons 300 000 dollars américains de douane pour nous retirer le building là. Nous toujours croyons que c'est rôle entrepreneur pour créer job, c'est rôle entrepreneur pour payer taxes, c'est rôle entrepreneur pour payer droit de douane, mais c'est rôle l'État pour servir à l'argent, pour bailler mon éducation, pour bailler mon la santé, pour mettre sécurité, pour mettre stabilité pour entrepreneur qui est capable de créer plus de travail. Une dernière question. Bon, je dis que nous allons ouvrir Delma 32 dans l'année 2021. Objectif, c'est 1er mai. C'est façon pour nous fêter fête du travail. Là, nous avons 250 personnes. Par Delma 32, c'est 250 personnes qui travaillent direct là-bas. Et puis après ça, nous avons réfléchi pour au Cap, pour Delma 30, pourquoi des bouquets. Et pendant qu'on a fait l'autre investissement tout dans le pays, nous-mêmes, nous croyons dans le travail. Nous croyons la solution du pays d'Haïti. C'est notre travail lié. Chaque Haïtien, je dis, son seul rêve lié. Jouer nos travail. Est-ce que tu as dit que Delimat a coûté 300 000 dollars américains? Delimat ça a coûté 8 millions de dollars américains. Dans 8 millions de dollars, il y a 4 millions de dollars que nous avons fait un placement avec ONA. Nous avons des affaires ONA. Ça. Côté que, pendant que nous volons les cobres, c'est des boulots, je vois ILCC. Et même m'inviter ILCC, viens voir côté Kobonaïe. Imaginons 4 millions de dollars, li baye 200 moun, 2000 moun travail indirect. Al fait calcul, 4 milliards 200 millions de dollars, combien moun y tap baye travail. Merci beaucoup. Rappelez-nous nos 4 employés ou nos jeudiens. C'est un employé qui l'a depuis 98. Et je connais depuis. C'est moi qui ai ouvert le premier délimat là, je suis sous caisse. L'homme ouvre le premier délimat là. Donc, vous avez Fortuné Luxon, Charleston Watson, Sénestin Augustin et Claire Dieudonné. Merci beaucoup. Allez. Alors, à quel sentiment vous en avez mal aujourd'hui? Je dis, je suis là avec un sentiment de fierté. En tant que jeune, je suis fier parce que moi, non seulement je viens vivre
événement ça là, parce que 17 juillet moi c'est gagné en pile jeune qui était touché par ça. Les balais de jeunes sont même, c'est en merci Dieu, un jeune entrepreneur qui gagne en reproduction locale côté que me fait en bas à Cassan. Donc Delimat 32 c'est une côté que me déconne bail produit. Je dis à pas venir là seulement pour venir garder venir voir Delimat qui ouvre, même venir garder pour moi tout côté que me déconne faire comme dans le temps dans 32 qui vient bonne possibilité encore pour moi jeune chance ça pour me faire quantité comme déconne faire qui doit en pile, mais quand même me déconne jeune possibilité pour me gagner au moins économique pour m'entrer. Donc, je félicite le Dr. Reginald Boulos, je félicite tout staff là, pour l'initiative ça, qui voulait encourager le Dr. Boulos. Donc, je pense que ça que je vous ai dit comme message tout la population. Donc, je pense qu'il y a un problème avec un homme politique, il n'y a pas de aspect économique comme si vous arriviez sous entrepreneur. Donc, je pense que craser un délimat, boulon délimat, je pense que ce n'est pas sa solution. Je pense que l'offre ça, il y a plus de problèmes. On va imaginer le docteur a dit combien de monde qui était en chômage. Donc, je pense que réouverture de délimat, je dis, hein, c'est possibilité pour jeunes qui ne peuvent pas faire rien, parce que depuis que je viens là, c'est un mime seulement que je travaille là. Bon, ça fait me content. Donc, je ne peux pas travailler là, mais je viens de possibilité pour venir pour 12 bocales en bas. Ou 15 bocal confiti là, quand même qu'à permettre moi gérer tête moi en façon. Donc félicité docteur Reginald Boulos encore, félicité jeunesse nous, c'était nous jeune pareil moi quoi dans tête nous, prendre tête nous avant nous réagir dans ces circonstances. Donc pour nous ouais, est-ce que nous pas mettre petit cousin nous petit famille nous dans chômage. Je dis en là, moi c'est que c'est en fierté, c'est en, avec un grand qui est content que me là. Donc merci la presse, en remercie Dieu, en production locale. Bagaille pour nous encore. C'est cruel. Bon, là, son artiste, ou dans Delimat là aujourd'hui. A quel sentiment que vous venez dans Delimat là aujourd'hui pour garder ouverture ça? Mon cher, moi, c'est une belle initiative. Et puis encore, tout me félicite Boulos, Reginald Boulos, pour force, pour courage. On nous dit, après tout, craser, briser, connecter, et puis monsieur, bye, je ne j'ai dit, on va être comme ça. Moi, c'est à féliciter ça. Et puis monsieur Sotzomba qui tout à l'heure qui très très important, et même propre zanmi il était découragé dans sa affaire, mais par rapport avec conviction force li, mais je ne j'ai dit mais qu'on en a célébré grand ouverture monsieur Avel. Et puis mon cher, et succès dans sa main, et puis que tout bail continue marcher bien frère. Okay, je dis tout vienne profiter fond si à chaque quelques jours va rentrer dans market là ou saumon en guêpe frère. en bête en pile love frère. Voilà, c'était Mr. Criel. Et je dis, hein, c'est 15 décembre 2020. Et docteur Reginald Boulos a expliqué nous et toutes les difficultés qu'il a gagnées pour l'ouvrir de l'Elimata. Et il n'a pas accepté les franchises dans le gouvernement pour l'ouvrir de l'Elimata. 4 éléments TV, nous là. Nous, en direct depuis toujours, nous avons vivre comment ça y est dans l'Elimata à toujours. Nous voilà M. Kazir là en direct depuis Delimat. Nous connaissons membres MTV Haïti et c'est une grosse plateforme politique qui s'est fêtée un an. Et Reginald Boulos, c'est un grand leader parti ça. Nous voilà M. Kazir dans le mode de circonstance aujourd'hui, puisque c'est une grosse date. Alors, M. Kazir, c'est grande ouverture Delimat aujourd'hui. Hein? Et avec qui sentiment que vous venez pour grande ouverture ça, pour qui c'est. Jeudi, mardi 15 décembre, à toujours.
Bon, moi, je suis là pour que moi témoin de réouverture ça. C'est un acte de foi, un acte de courage de la part de Dr Boulos, de groupe Boulos là, qui croit dans l'avenir PIA, malgré que j'ai surmonté une situation très difficile après les 6, 7 et 8 juillet. Mais nous plus que besoin, je dis, à des entrepreneurs, des hommes d'affaires qui engagés, yo, qui créent des entreprises avec un fort sentiment qu'ils ont contribué à développer le pays. Et entreprises qui payent taxes dans le pays, qui bat en pile travail. Nous avons besoin beaucoup plus. C'est une preuve, je dis, que des gens qui croient dans l'avenir du pays toujours, des gens qui croient dans Haïti. Docteur Boulos a eu la possibilité, après 6-7 juillet, il était parti, il était quitté le pays, il a investi à l'étranger, il deal dans le discours. Il n'y a pas aucun business dans aucun autre pays. Je salue le courage. Je salue la détermination de tout l'autre employé qui est avec lui et qui, je dis, a permis que Delimat soit capable de rouvrir. Alors, nous connaissons le MTV et dans le discours et MTV, M. Boulos, Dr. Boulos, alors, il dit que il n'y a pas d'emploi pour tout le monde parce que pour Delimat, ça, il est seulement capable de 200 personnes. Mais ou même en dans MTV, je dis, en une question politique. Et comment nous-mêmes nous avons fait emploi dans le pays? Bon, c'est plus que 2000 demandes que Dr Boulos recevoir. Moi-même, comme secrétaire général MTV, très souvent, il y a des gens qui sollicitent, qui disent est-ce que je ne peux pas parler Dr Boulos son CV? Est-ce que je ne peux pas parler avec elle? Donc, nous croyons que je dis à l'important pour que la question soit posée et qu'on pacte dans le pays pour nous joindre sur la création de l'emploi. Dans le discours Dr Boulos là, et c'est ça que MTV tout l'a charrié, c'est 100 000 jobs nous voulons créer chaque année lorsque MTV lui-même lui prend pouvoir. Mais je dis à nous besoin plus stable, nous besoin d'abord stabilité politique pour que nous capables garantir survie de business qui gagne dans pays, mais tout pour nous attirer plus investissement. Mais tout, nous connaissons que nous avons une opportunité dans tout le pays, dans toutes 146 communes pays. Et nous ensemble de jeunes qui ont fini dans l'université, qui ont une pile d'idées, qui voulaient créer un business, mais qui ont besoin d'emploi. Donc, il faut une vraie politique de création d'emploi qui est capable, un, donne accès au crédit, dit, qui peut faciliter la stabilité politique pour que nous ayons plus de business qui crée, pour nous capables de business qui a générer plus. Mais tout, on l'État qui est responsable, qui améliore l'environnement d'affaires. Là. Je parle d'améliorer l'environnement d'affaires. Là, je regarde d'abord le cadre juridique pour créer un business dans le pays. Parce que je dis, dans une semaine, il est impossible pour un monde de créer un business en Haïti. Alors que il y a une pile avancée qui fait, avancée technologique, avancée même dans le domaine du droit des affaires dans plusieurs autres pays, on a besoin que que ce cadre soit amélioré, que CFI joue effectivement son rôle, mais aussi que capable de gagner une synergie entre les différentes instances concernées, entre CFI et DGI, ministère commerce, pour que vous améliorer ce cadre-là et que l'entreprise soit capable de créer avec beaucoup plus de facilité. Merci, c'est moi qui vous remercie. Bon travail, monsieur, courage et déjà. Bonne fête de fin d'année. Voilà, c'était Kazir Smirs, qui est secrétaire général MTV, qui t'a parlé là, sous contentement, qui t'a donné une première impression, sous ouverture, grande ouverture, Delimat à Turjo. Là, nous toujours dans Delimat, là, nous permettons que vous vivez comment ça y est. Merci à tous les amis qui sont sous Katéléman TV. Et moi, pour moi, le petit cadeau, pour me rassurer. Ou pas de compte ça, ou pas de compte si chaque monde qui vient aujourd'hui a un petit cadeau. Mais un petit cadeau pour mon papa. Je vais faire nous écouter ma propre cadeau. Mon petit cadeau pour vous. Je vais tout prendre un petit cadeau. Excusez, mon petit cadeau à live. Excusez. Bon petit cadeau dans live.
Bonne journée, à la prochaine. Merci. Voilà, ça est Chicago Delimat, on live là. Merci Delimat. On va gagner un petit cadre là, on va gagner un petit cadeau là, un petit cadre d'Elimat, et puis on va réclamer cadeau là, dans la rentrée là. En fait là, si on a demandé un petit cadeau là, on va jouer un petit cadeau là. Bon, quand même, c'est un supermarché, on va faire tout le monde cadeau, il faut nous acheter. Tout le monde qui vient acheter là.
Nous avons tout le monde déménagé Marie là. Je dis, c'est un bel bagage, un coup. Bel bagage, c'est sous 4 éléments. 4 éléments qu'on demande en mariage. Jeudi 15 décembre. Hein? Jeudi 15 décembre. Hein? Bel bagage qui fait là. Bel bagage qui fait là, je dis. Hein? Alors, son plaisir, Zami, je dis, pour nous, deux maintenant, en mariage, je dis, sous quatre éléments. Et pour ils sont choisis, je dis, pour faire deux maintenant. Honnêtement, pas de bonheur, mais on peut deux mots, ça me dit. Premièrement, c'est maman petite. Nous avons un petit garçon de 18 mois ensemble. Et je dis, c'est anniversaire. C'est pas parce qu'on fille. Ce n'est pas parce qu'on fait « Ah, voilà, il va avoir une petite avant » ou pas qu'on fait une demande de mariage, officiellement. Ça ne veut pas dire que debout, il y a une petite avant, toute bagarre. Toute bagarre comme si on a un café à la volée. Je veux nous comprendre que il y a un garçon toujours. Il y a un garçon toujours et l'homme toujours existé. En dépit de tout ça, il y a traversé. Madame, à quel sentiment ou accepter la demande là, je veux dire? Je suis vraiment heureuse. Mon côté geste là et ma patate, tellement que je l'ai fait là, vraiment heureuse. Merci. Couple lancé Charles Jean-Marie et Pierre Sibyl. On espère nous inviter 4 éléments dans le mariage là. C'est comment? 4 éléments TV. Ah mais 4 éléments TV, pas un problème. Nous pas un problème, c'est le mariage c'est 9 janvier. Nous pensons que depuis qu'il y a possibilité, on a fait des modes là. Pas de problème, bien. Merci à vous. Tout plaisir à vous, oui, d'accord. Voilà, c'est un couple qui est fait demande en mariage, monsieur qui m'a dit madame Li, en mariage jeudi dans Delimat pour grande ouverture là. Et monsieur ça qui dit nous que les gars ont petit déjà avec dame là, et ils vivent ensemble déjà. Et ils ont un petit monde 18 mois, et ils pensaient que même s'ils vivent avec Fia, ça ne veut dire qu'ils ne vont pas faire demande en mariage, c'est-à-dire que l'amour existait toujours. Et bon, c'est que ça, c'est un geste d'amour, un geste d'affection et un geste de grandeur tout, côté garçon. Un jour, je dis à monsieur, pour forme qu'on nous, on a des madame nous en mariage, même si nous avons un petit monde avec lui, on a demandé en mariage. Les gens qui ont sorti là, qui sont contents, monsieur qui m'a demandé madame en mariage, dans Delimat. Là, nous toujours à Delimat, on a fort vivre. Et comment ça y est, là nous sommes en hauteur, nous sommes dans l'espace cadeau sous 4 éléments TV. Et vive bon moment ça y est, c'est une très belle bagaille. Et bon, même si je manque de crier là, je manque de crier, je manque de l'eau parce que c'était un moment émouvant et c'est seul moi-même comme média. Et c'est là, libelle là, pour valeur média qu'il a. Et c'est moi-même qui ai eu la chance de gagner. Coupe ça qui fait une demande en mariage et monsieur qui m'a demandé madame lui en mariage et présence 4 éléments TV. Très bel moment, bon, c'est que des moments inoubliables. Je dis, c'est 15 décembre 2020, c'est grande ouverture Delimat à Tiujo et 4 éléments TV nous là. Nous dans quatre coins, j'en ai toujours dit, slogan nous c'est que nous avons cherché information portée pour vous. Et là, c'est Delimat qui l'ouvre porte-lui, qui peut desservir toute communauté qui dans la zone Tujo, hein, on dit zone avoisinante tout, puisque ce n'est pas seulement Tujo qui peut le desservir avec Delimat. Parce que même Delma qui beaucoup Delimat qui retourne la caillou, a une chance de passer pendant le centre-ville, il y a Delma, il a passé dans Delimat là, là mon petit ville pendant qu'il a monté. Il a passé Delimat pour monter son Delimat qui va servir plusieurs communes. Et Port-au-Prince, Delma, Pétionville, et côté li placé, c'est un milieu stratégique, très stratégique. Parce que Dr. Reginald Boulos avec équipe Delimat, ils ont bien pensé. Ils ont bien pensé. Et ils font très bel calcul. Côté que vous placez Delimat ça. Et dans Tujo, c'est en face. Hôtel Marriott et Digicel, on a deux grands buildings qui en face de Delimat là à Tujo et côté que je vais desservir en pile monde dans la communauté, hein. Moi c'est que c'est
un très bon choix côté que Delimat ça lui-même Livin Tablicol là.